Oui. Pas... Non. Non. Ah, les boules. Marc Weber au ralenti dans les Grenadières avec la Porsche numéro 20. Je suis rejoint par Patrick Villevet. Patrick, on en reste complètement. En effet, on était en train de faire tous les calculs possibles. Hein, on était en train de regarder ça. Les on a parti en tête avec lui, en train de regarder combien il restait d'arrêts, ce qu'on pouvait faire pour rester devant. Et là, effectivement, on va dire qu'à la limite, ça peut être beaucoup plus tranquille hein, pour l'Audi numéro 2. Ah merde. Mais rien n'est fait quand même, quand on voit ce qui se passe depuis le début, quand on voit ce qui se passe depuis cette nuit avec le souci turbo, qui ont évalué les courses des deux Audi. Personne n'a été épargné, c'est clair. Alors, Weber fait bien ralenti. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? Est-ce qu'on retrouve un petit peu ce qui s'est passé sur le numéro 14 hein? Alors, si vous étiez avec nous, mais bien sûr, vous étiez avec nous. Il n'y a pas de raison si on est resté, donc vous êtes resté aussi. Depuis le début, on avait eu ce problème également hein, sur la numéro 14. Qui semble rester peut-être bloqué sur un rapport ou sur quelque chose. Avec Netanyahu, on est le coup, alors complètement, effectivement, qu'il avait lâché là de 3-4 tours, malheureusement. Donc si c'est le cas pour la force numéro 2, même les espoirs de podium pourraient s'envoler. On n'est pas encore là, hein. Il reste un peu moins de 2 heures de course. Et chez Porsche, évidemment, on est encore loin de... des stands, hein. Mais oui, bien sûr, on arrive à Indianapolis. Oui, on arrive très loin à Indianapolis. Très loin. S'il n'est pas 60 km/h, ça va être le cas. Voilà. Alors, du côté de l'Andrea Lotterer, on a aligné des chronos en 3 ans 3. On va peut-être avoir l'ordre de réduire un petit peu la voilure. Tout simplement aussi pourquoi, vous l'avez vu tout à l'heure, on n'a pas changé de lieu. On a pris ce risque-là chez Audi. Un 5 qui brûlait. Voilà. De façon. Ça a servi à quoi? Ça a servi à rester devant. Ce qui est important en cas de neutralisation, par exemple, de pouvoir rester devant, de pouvoir gérer éventuellement une zone ralentie ou une véritable neutralisation. Weber à 60 à l'heure, ça va être très plus soin, il reste un cadre olympien, le sud-est australien. Alors que Marc Gévé également casqué hein, pour la numéro 1, bien sûr, toujours là, la numéro 1, elle est à 2 tours de la Porsche qui est au ralenti. Autrement dit, il y a peut-être aussi moyen, parce que c'est vrai qu'on regarde ce qui se passe devant Pierre, mais regardons également ce qui se passe juste derrière, avec peut-être la possibilité pour cette numéro 1 de récupérer la deuxième. On voit Marc Weber hein, qui regarde dans la rétroviseur, parce qu'à 60 d'ailleurs, il faut faire très attention dans cette portion délicate du côté de l'Indianapolis et Armage. Une voiture au ralenti, ça peut être un obstacle inattendu pour des concurrents qui déboulent à toute vitesse. Regardez les caméras qui travaillent à la fois Lucien Porsche et puis Marc Weber qui avait été tapé dans la main de quelques-uns de ses collègues de chez Porsche au moment de prendre le relais. Il avait quand même une mission sur les épaules, Marc Weber assez importante, assez extraordinaire pour lui, hein, pour ce retour en ambulance. Quand il y a un retour, on pourrait presque dire son arrivée, parce qu'on pourrait presque ne pas compter ce qu'il avait fait auparavant, je pense que dans le temps, c'est là le vrai changement de carrière, il était là, absolument. Hein, c'est arrivé chez Porsche. Avant, c'était, allez, on va dire que c'était pas le passage obligé pour avoir sa carrière, mais un petit peu quand même. Hein. On est dans une situation complètement différente aujourd'hui. Ça m'avait bien aidé, en tout cas, pour progresser aussi vers la profession. Comme ce fut le cas auparavant pour d'autres juniors chez Mercedes. On s'en souvient. Alors, Weber, évidemment, le temps est long. Hein. Là, on est avec l'Audi numéro 2 qui va quasiment prendre un tour maintenant à la Porsche. Oui, c'est déjà fait. Mais un tour d'avance maintenant pour l'Audi numéro 2, puisque la Porsche n'est pas encore dans les stands. André Lotterer, on va surveiller son chrono, il a certainement lâché un peu de veste, on l'a prévu par radio, voilà, 3:34, on soulage. Et regardez cette image symbolique aussi de l'Audi numéro 1, signalée par un drapeau blanc, voilà, on peut vous le dire, il y a cette image.
images qu'on a aperçues. Oui, la 1 qui passe la Porsche. La Porsche également ralentie. On va surveiller bien sûr l'arrivée de la Porsche dans les stands. Alors que l'audit numéro 1 rentre dans les stands également pour le changement de pneu, comme avait marqué à balayer le cas du graphique. Ce qu'on disait à l'instant est tout à fait confirmé, André Lauter venait faire un tour en 3.34, alors qu'il tourne en 3.28 depuis oui, déjà il a un bon moment. Il le fait, on a prévu. Ben voilà, bien sûr. C'est obligé que ça se passe comme ça, bien, c'est logique. Alors, chez Porsche, on est prêt, là c'est l'audit qui va s'arrêter. L'audit numéro 1, mais la Porsche rentre dans les stands également. La Porsche arrive, on reste bien sûr... Et on n'est pas les seuls, regardez le monde qui est désormais devant le stand Porsche. Alors c'est la deuxième place qui est en jeu aussi, hein, maintenant, avec le numéro 1 qui est à l'arrêt. Maintenant, il y a 20 tours de retard sur la Porsche. Maintenant, le tout est à voir de quel mal souffre la Porsche. Hein. Ouais. Est-ce qu'on peut mettre le doigt dessus rapidement ou est-ce que c'est plus grave? Va-t-on rentrer dans le garage? C'est probable. Marco Heller, la Porsche numéro 20, qui voilà, elle arrive sur votre écran, la voilà. Au moment où le dit repart, c'est tout un symbole aussi. Alors bien sûr, on refait exactement la manip hein, du reculing, quand il arrive. Voir. Et on il y a eu une alerte du côté de cette Porsche quand Marc Weber a manqué un freinage à la chicane. Alors c'est aussi ça qu'il faut regarder. Est-ce que c'est un problème de transmission, de boîte de vitesse? Est-ce que c'est plus grave? Est-ce que ça peut être un problème au niveau du système hybride? Vous le savez, c'est freinage. Ces systèmes hybrides avec frein électrique, si ça ne fonctionne plus, forcément, là on se retrouve un petit peu coincé, on est obligé d'aller le plus en fort possible vers la défense parce qu'on n'a plus de frein. C'est possible, on travaille sur les freins, regardez ouais. Les mécaniciens, sur les plaquettes, les disques, alors on sait que le système hybride au freinage récupère l'énergie cinétique, et effectivement, le mal peut venir de là, de ces systèmes hybrides. C'est normal, on est encore en zone grise, de développement. En tout cas, c'est la vocation de l'épreuve hein, depuis sa naissance en 1923. Et là, ça reprend tout son sens avec cette nouvelle réglementation. Thank you.